Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est FitzAdri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aller chercher de la difficulté. Et pour ce faire, on va partir dans le ZTUR de Gohan après le level 77. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à rappeler pour tous ceux qui ne seraient allés qu'au level 30 du ZTUR de Gohan, que jusqu'au level 77, vous obtenez des récompenses plus qu'intéressantes, à savoir des orbes de compétences, des vieux Kai, etc. Je mettrai la liste de récompenses dans le lien de la description de la vidéo, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, mais vraiment, moi, je vous invite à essayer d'aller au moins jusqu'au stage 77 de l'event de Gohan ZTUR. Après le stage 77, ça sert quasiment plus à rien. Vous obtenez juste une statue Satan à chaque fois que vous faites, donc un petit peu de zénith, mais en soi, c'est pas... C'est pas très très intéressant, je pense que vous en conviendrez. On va, je vais essayer de vous montrer. On va essayer de partir faire le stage 78. Et vous allez voir, c'est très 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 compliqué. Si tu cherches de la difficulté dans Dokkan Battle, et eh bien mon pote, là tu vas être plus que servi. C'est moi qui te le dis. Puisque dans ce ZTUR de Gohan, justement, la difficulté est bien présente. Alors c'est même le moins que l'on puisse dire, je pense. La difficulté est énorme dans le ZTUR de Gohan. Alors... On va partir avec... je vais tester une team, tiens. Je vais tester une petite team. Donc, je prends Vegeta quand même. Malheureusement, j'ai pas d'Okan Jis encore. J'ai pas fait les 30 fois le niveau des orbes. Ça aurait pu être bien de prendre Jis, mais... S'il est pas d'Okan, c'est pas si intéressant que ça, je pense. Goku, bien sûr. Goku Nordax. Goku Nordax qui est juste beaucoup trop fort. Il est où? Ici. On va aller voir la catégorie Namek rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à ramener? On va ramener le Ginyu, je pense. On va ramener le nouveau Ginyu, très très bon. Ah, après, il a contre-type, mais il reste très bon quand même. On peut ramener Freezer Full Power éventuellement. Freezer LR que je n'ai toujours pas, malheureusement. Lui, je pense pas pouvoir le mettre. Non, il est le même nom que le Gohan. La catégorie Namek qui s'est quand même bien enrichie finalement avec... Ah, je peux mettre le Goku basse forme, ça peut être intéressant. Le Goku basse forme pour la régène, ça peut être très intéressant. On va mettre le Goku basse forme, on va mettre Ginyu. Et on va voir après. Et on testera avec ça. Hop, ouais, la catégorie Namek qui, avec les 3 ans, c'est quand même très 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 bien enrichi finalement. C'est quand même très 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 bien enrichi même. C'est pareil, le Rikum, j'ai pas fini de le Dokkan, donc le prendre, c'est pas si intéressant que ça ici. Après, de toute façon, je suis pas sûr qu'il soit si bon que ça, hein, les unités du commando Ginyu là-dedans, j'en sais rien en fait. C'est complètement expérimental. Ginyu à contre-type, on verra ce que ça donne. Et est-ce qu'on peut se prendre... Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre pour terminer en puissance? Je pense un support puissance, ça pourrait être pas mal pour aider tout le monde à partir en SP. Un support puissance, ouais. Typiquement, bah, le Gohan. Hein. Typiquement le Gohan. On va essayer de partir avec ça, donc... On va voir si ça peut passer, si ça ne passe pas, on partira en super puissance pour essayer de faire le stage 78. Donc vous allez voir la difficulté maintenant dans Dokkan Battle réside dans ce genre par exemple de petits events là. C'est vrai que réussir à aller le plus loin possible là-dedans, c'est quand même très 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 compliqué. Vous allez le voir, hein. Vraiment j'insiste, c'est vraiment dur finalement, vraiment vraiment. Donc partir en spec avec Vegeta, ça n'a aucun type d'intérêt finalement puisque on peut pas stun l'adversaire, pour rappel, donc ça sert à rien. Ah, fuck, là, j'aurais bien aimé garder tous ces ki puissance pour le Gohan ZTUR. Dommage. Enfin, pour l'un des deux Gohan ZTUR, puisqu'on en a deux, au final. Voilà, Vegeta qui prend que 5000. Donc ça, c'est très bien. Double attaque. On n'a pas beaucoup d'HP, hein. On a 200 000, un peu moins. Là, on va quand même prendre cher. On va quand même prendre cher là-dessus. Ah, j'aurais vraiment aimé garder tous les ki puissance pour Gohan. Là, ça m'aurait changé la vie, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Alors en plus, si je dis pas de bêtises, il doit réduire les dégâts des unités du type endurance par exemple. Tu vois, voilà, les unités du type endurance, il est réduit. À mon avis, il doit pas réduire que les endurances, hein, il doit en réduire beaucoup d'autres aussi. Le Goku Nordax qui met des très bons dégâts et qui normalement devrait pas prendre trop trop cher. Enfin bon, quand même, il prend quand même tarif finalement. On va pas penser qu'il prendrait autant. On va partir en spec avec les deux Gohan ici. On va les garder dans la rotation, les deux. Parce que bah, je peux pas me permettre de laisser Ginyu tanker, hein, ça serait... suicidaire que de faire ceci. En plus, j'ai mis mon Goku Nordax en rotation. Finalement, c'était pas forcément le bon plan. Ouais, ça va être très compliqué là. On voit qu'on a pas assez d'HP avec la team Namek. On va repartir en team puissance. La team Namek, ça sera jouable après. Une fois qu'il y aura le Ginyu LR qui sera sorti, on aura un leader skill plus puissant. On aura des plus grosses unités dans la team. Mais faut que je farme le Freezer LR. Faut absolument que je farme ce Freezer LR.
On a enlevé 3 barres. Je pense que Ginyu va rien taper. Ah, 117 000 quand même. Bon, grâce au crit, mais je pensais pas taper aussi fort que ça. On a encore une chance là. Hein. On a encore une chance qui réside dans le soin du Goku. Mais ouais, non, je pense que là on est quasiment mort en vrai. Je pense que là en vrai on est quasiment mort. Alors, après au prochain tour, on a vraiment que du Namek. Ça peut être cool. Ça va être tendu de passer le tour là. À mon avis, on est mort sur Gohan à la fin. Ouais, très largement, on a pris 75 000 sur Gohan. C'est énorme. Waouh. Donc, vous voyez là, on a enlevé que 3 barres de vie. Vraiment, je sais pas si. Je vous rendez compte, les gars, mais le stage 78, ça commence à devenir quand même très, très, très compliqué. Hein. Là, c'est la complicance absolue. Est-ce qu'on n'aurait pas un Goku LR des 1000 jours pour tester en super puissance? Ça pourrait être sympa. Sinon, on peut partir en super puissance avec deux Gohan ZTUR aussi. C'est une possibilité. Je suis pas hyper, hyper fan, mais. Enfin, ça peut être fort parce que les Gohan ZTUR sont vraiment game breaker dans la game. Mais. On peut essayer, tiens, on peut essayer. C'est la vidéo des tests, les gars. On est là pour ça. On va partir en super puits. Alors, Goku SSJ4 de mon côté en lead, par conséquent, mais Goku SSJ4, vous allez voir les tartes qu'il va prendre, c'est inadmissible, quoi. C'est ça le truc. C'est Goku SSJ4, les tartes qu'il prend, c'est inadmissible. Sinon, on peut partir plutôt comme ça, il aura plus de leader skill, le Gohan ZTUR. Ouais, ça peut être mieux, ça. Hein. Ça peut être mieux, ça. Quelque chose comme ça. Avec le Gohan ZTUR, on a mis leader. Du coup, ah ouais, mais le problème, c'est que là, je profite pas de Goku Nordax. Je profite pas de Goku Nordax et ça m'embête un petit peu, ouais. Non. Moi, je veux profiter de Goku Nordax. Je pense que c'est mieux. Ce Goku Nordax est vraiment trop fort dans l'event. Il fait partie de la catégorie Namek. Alors, pour rappel, c'est les personnages puissance le mieux. Hein. C'est les personnages puissance et ceux qui font partie de la catégorie Namek. C'est avec ça que vous allez le mieux vous en sortir dans l'event. Et en last. Bah, Ultimate Gohan semble quand même fort. Hein. Ultimate Gohan semble quand même fort en last. Bon, on va tester avec ça. On va tester avec ça. C'est avec ça que j'ai fait les 77 premiers levels. D'ailleurs, les 77 premiers levels, je les ai fait assez facilement avec cette team-là. Mais c'est vrai qu'à partir du stage 78, ça devient un bordel. Après, j'ai pas plus essayé que ça non plus, mais. Ça semblait quand même compliqué en soi. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde met des dégâts dans cette team-là. Tout le monde met des dégâts. On a. Voilà, on est un super puits, donc. On a pas de mal à mettre des dégâts, mais alors par contre, c'est qu'ils encaissent pas tous. Hein. Là, vous allez voir déjà, premier tour. Et Ultimate Gohan, il prend 43 000 dans notre attaque. 43 000. Après, il a qu'un leader skill sur lui, là, certes, mais. Quand même quoi. Bon, 600 000 par contre, c'est bien. On est quasiment mort. Premier tour, on est quasiment mort. Goku Nordax qui va taper très fort, très certainement. Voilà, le crit 1 million 2. Donc on est déjà à 2 barres de vie enlevées. Ça, c'est très très bien par contre. Après, on n'avait pas le meilleur des premiers tours là en soi. Parce qu'on n'avait pas de Gohan ZTUR. Mais ouais, bah, on est mort en fait. On est déjà mort en fait. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est punitif, à quel point c'est la violence quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Hein. C'est la violence extrême. Là on a beaucoup de Kirembo. On va bien taper avec Gohan mais. On est mort là. Hein. On est mort, ça se trouve même sur Vegeta, non, si on prend une spé. Alors on va lui avoir enlevé 4 barres de vie, quelque chose comme ça, je pense. Parce que là, Gohan, ça va pas blaguer, ça va faire très très mal. Voilà, 4 barres de vie. Ah, je sais pas s'il nous tue sur Trunks, mais je pense que oui. Ouais, il nous tue pas grand-chose, mais il nous tue, donc ça passe pas ça non plus, les gars. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment tendu. Hein. C'est vraiment, vraiment très compliqué, le stage 78. Il nous faut plus de points de vie. Déjà, pour commencer, il nous faut plus de points de vie, ça serait bien. Donc, est-ce qu'on peut trouver un Goku LR des 1000 jours? Sinon, j'aurais bien retenté avec le Gohan, mais il faudrait une meilleure rotation au début. Parce que si t'as un Gohan en 7ème, en fait, c'est mort, quoi. Si t'as un Gohan en 7ème, c'est mort parce qu'il y a déjà un tour où tu vas prendre beaucoup trop cher d'office. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas cool du tout.
Jeez pourrait être bien pour l'event. Hein. Jeez pourrait être super bien pour l'event, je pense. Il faut que je fasse Jeez et il faut que je fasse Freezer LR. Et après, je pense que je pourrais bien avancer. Avec une team double Gohan. Goku SSJ4, c'est pas si bien que ça en fait. Double Goku SSJ4 parce que il prend vraiment super cher. Il tape fort quand même, mais. Enfin, il tape fort. Et encore, il tape plus si fort que ça au stage 78, mais. Mais surtout, il prend tellement cher en fait. Est-ce qu'on peut retrouver le Gohan s'il vous plaît? Voilà, il est ici. Hop, allez, on va essayer avec cette team là. Mais bon, il y a quand même des trucs sur lesquels je suis pas trop convaincu là. Hein. Genre le Ultimate Gohan, je pense que G serait mieux à la place. Voilà, alors ça par contre, c'est une bien meilleure rotation. Bah alors là, clairement, clairement, clairement même. Non, ça sert à rien par contre. On va garder tous les key int là pour Gohan. Je rappelle que Gohan est un nuker. Hein. Plus il a de key, plus il tape fort. Donc là, c'est intéressant de garder tout ça pour le Gohan ZTVR. Là on va prendre quasiment 0 dégâts premier tour, là on est bien. Ça commence très bien, quand ça commence comme ça on peut se dire qu'on risque de réussir finalement. Après bon faut quand même de la chance ici sur les autres tours mais... Déjà ça fait une très grosse différence, surtout qu'en plus là on part en spé avec Goku Nordax et Goku SSJ4. Ça va quasiment être déjà deux barres de vie enlevées, donc très bonne entrée dans la game. Un peu plus d'une barre de vie pour Goku Nordax, Goku SSJ4 qui devrait quasiment finir la barre de vie entamée. Voilà, bon, il n'a pas fini, mais... Quand même, il est cher. Alors, ici. Ah, on va le mettre. Ah ouais, mais là, on va le mettre mais tellement cher, en fait. On va lui mettre mais tellement cher à ce tour-ci. Ah ouais, ouais, bah là, je pense que le run est win. Hein. Je pense que le run est win. Bon, on a chaté comme pas permis après, mais voilà. Regardez, c'est ça l'intérêt d'avoir deux Gohan ZTUR. Enfin, d'avoir les Gohan ZTUR quand il faut, parce que bah, vous prenez pas de dégâts, en fait, sur les Gohan ZTUR. Ils ont l'avantage de faire partie de la catégorie Namek et d'avoir beaucoup de défense et d'avoir l'avantage du type en plus. Donc c'est très intéressant. Ah, ça c'est chiant par contre. Ah, ça par contre c'est super chiant. Oh, ce retournement de game. Est-ce que vous vous rendez compte les gars de ce qu'on vient de prendre sans déconner? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de prendre là? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de prendre? En 3 attaques, on a pris 200 000. Sur un seul personnage. Bon après c'est moi j'ai mal joué. Je pense j'aurais dû mettre les deux Gohan côte à côte. J'avais très certainement gagné si je faisais ça. Waouh. Je pensais pas prendre aussi cher. Ah là la rotation n'est pas bonne. En fait on a notre Vegeta en dernier. Ça casse les couilles. Je vais quand même séparer les deux Gohan. Bon. On va peut-être réussir à passer sur un malentendu. Les keys ne sont pas en notre faveur actuellement. En tout cas, on a quand même le Gohan ZTUR au début qui devrait bien s'en sortir. Donc, pas trop de dégâts. Ça serait bien des doubles attaques des Gohan ZTUR. Ça carry énormément, ça. Vu les... Enfin, vous en doutez, regardez les dégâts qu'ils mettent. 900 000, donc quand ça double attaque, forcément, c'est énorme. C'est un Gohan ZTUR esquive qui a en mid-down. Ouais, on a pris 60 000 en auto-attaque. C'est énorme, hein. Je sais pas si vous rendez compte à quel point c'est énormissime. Si je fais ça, je pars pas en spec Goku Nordax. Et si je fais ça, à la fin, je prends cher de ouf. Mais ouais, mais je fais ça quand même. Hein. Je fais ça quand même ici, en vrai, parce que... alors... Ouais, allez, on tente. Faut quand même mettre des dégâts. De toute façon, voilà, on a les Kirembo qui sont tombés. On pourra partir en spec au prochain tour avec Gohan ZTUR. Oh là là, là, ça part en spec. 47 000. Ok, on est à deux barres de vie retirées. Et on est quasiment mort là. Là, on est quasiment mort déjà. On est quasiment déjà mort. Et c'est ça le problème d'avoir Vegeta en dernier, c'est qu'on prend trop de dégâts. Il faut pas qu'il y ait un des Gohan ZTUR en dernier ni Vegeta en fait. Il y a trois unités qu'on veut absolument au début. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Bon, là, on est mort. Mais pour le beau jeu, je vous le laisse quand même. Mais nous sommes morts. Il faudrait une quadruple SP de Gohan ZTUR pour tuer. Surtout qu'on va pas mettre tant que ça de dégâts là. Ok, 3 barres de vie, donc en plus c'est loin d'être l'un des meilleurs runs qu'on a fait. On a fait bien meilleur comme run. Vous voyez, c'est chaud, hein. C'est vraiment vraiment chaud. Pour ceux qui veulent de la difficulté, les gars, vous pouvez la trouver là-dessus. Hein. Vous pouvez complètement trouver de la difficulté ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Goku LR des 1000 jours qui traîne quelque part quand même? Pour tester en super puits avec de la régène.
J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Pendant un moment, on envoyait beaucoup des Goku LR des mini-jours, mais là, c'est vrai que ça s'est bien calmé. Là, je pense vraiment que si je mets Jis, mais tu sais quoi, je vais mettre Jis même s'il est pas Dokkan en fait. Je vais mettre Jis même s'il est pas Dokkan pour tester. Si ça se trouve, ça va faire la diff. Jis fait partie de la bonne catégorie. Il prendra moins de dégâts qu'Ultimate Gohan, c'est sûr. Par contre, on va perdre des points de vie. On va perdre beaucoup de points de vie même. Alors, on a dit on enlève Ultimate Gohan et on met Jis. Alors après, attention, hein, ça reste quand même très réalisable pour ceux qui ont une team un peu plus optimisée. C'est-à-dire, par exemple, le Gohan ZTUR, le Goku Nordax. Jis, qui est Dokkan 100%. Normalement, moi, j'ai pas eu le temps de le faire, mais normalement, vous, si. Et vous pouvez mettre en dernier Freezer LR, en fait. Et avec ça, ça devrait quand même bien se passer, normalement. Allez, on part en spé avec les deux Gohan ZTUR, ici. En plus, ils vont complètement encaisser. On n'a pas... Oh, mais non. Bon, ben, là, c'est cuit, hein. Là c'est cuit, la spé sur Goku et Saiyajin 4, on prend 160 000, c'est trop. On peut pas encaisser ça quoi, c'est beaucoup trop. Ok. Très certainement mort au prochain tour. Deux barres de vie direct avec les Golden ZTUR. Eux ils font le café. Ils prennent 0 dégâts en plus. Ben on va laisser comme ça ici. Hein. Quoique non. Je préférerais que Goku Nordax parte en SP finalement. 4-5. Il pourra partir en spec Lucky Int. J'aurais bien aimé voir comment G s'encaisse. Donc il y a Jis qui a... Attendez, c'est quoi ça? D'accord, ça voulait dire qu'il risquait de lancer une attaque spéciale à cet endroit-là en fait. L'endroit où ça clignotait en rouge je pense. Donc on a bien fait de mettre Vegeta en premier, en effet. Bon, de toute façon, on est mort, hein, mais... C'est vrai que G, c'est fort pour ça aussi, hein. Il peut vous indiquer où ça va partir en SP. Je me demande... Je sais pas, j'ai pas du tout regardé s'il indique à 100%. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les gars. On va essayer une nouvelle fois. Alors, il nous faut de la chance. Il nous faut de la chance, hein. C'est indéniable que si on n'a pas de chance, on n'y arrivera pas. Il nous faut même beaucoup de chance. Alors là, on trouve plus de Gohan, on trouve toujours pas de Goku LR. On peut partir avec un Goku SSJ4, mais réussir en double Goku SSJ4, ça relève du miracle. Mais en fait, tout simplement, il faut que les rotations soient bonnes, il faut que pas que ça parte en SP sur un autre personnage qu'une catégorie Namek, ou alors il faut que Goku SSJ4 dodge l'SP, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent arriver, mais très compliqué. Je sais même pas si je vais réussir à faire le slash sur son équipe, les gars, finalement. Waouh. Regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça, là je suis mort en fait. Vous allez voir là je suis déjà mort. Je le sais pas encore mais je suis déjà mort. Partir en spec Trunks c'est coûteux. Très coûteux. Après on a 300 000 HP là, c'est sûr que c'est beaucoup mieux mais regardez on est mort quand même. On est mort quand même. Ah là ouais la rotation est dégueulasse. Encore s'il tapait tout au milieu sur Trunks. Pourquoi pas, mais là... Alors après, il tape fort quand même, les Goku et Saiyajin 4. Il tape quand même fort. J'ai l'impression que je vais pas y arriver à passer ce stage 78, les gars. Malgré mes efforts et mes essais incessants. En ce moment, par contre, ça peut peut-être passer plus que ce que je le pensais en double Goku et Saiyajin 4. Ça peut peut-être passer mieux que ce que je pensais en double Goku et Saiyajin. Parce que finalement, les deux personnages qui prennent énormément de dégâts, c'est les deux Goku et Saiyajin 4, c'est tout. Parce que même Trunks Hikari, lui, il va pas prendre tant de dégâts que ça. Là, on va laisser comme ça, par exemple. Ouais. Gohan ZTUR au prochain tour avec Vegeta et Saiyajin 3, pourquoi pas. Pourquoi pas? Le crit, la barre de vie qui part. Je crois pas que c'est dodge ici. Je comprends pas pourquoi ça part tout le temps en spé sur mon Goku et SJ4 en fait. Est-ce qu'il y a un cheat code? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas au courant? C'est chiant parce que là on était bien en fait.
Les rotations étaient bien, on avait déjà enlevé deux barres de vie en un tour. Là, c'est 100 000 d'HP la différence. Hein. C'est 100 000 d'HP la différence. Ah ouais, non mais là, ouais, c'est nimp. C'est nimp, quoi. Et oui, qu'est-ce que tu veux survivre à ça du coup là. Bon, je pense qu'on est mort sur Jis, hein. Je pense pas que Jis tank assez là. Bon, après, si Jis tank assez, on n'est pas mort à ce tour-ci. Eh, hey, sachant qu'il n'est pas Dokkan. Sachant qu'il n'est pas Dokkan et qu'il n'est pas à 100%, c'est pas mal, hein. Ouais. Et on va survivre ce tour-ci, mais bon, prochain tour, nous sommes morts. Je pense que. Je pense pas qu'il y avait grand-chose à espérer. Bon bah du coup les frérots, je pense que c'est pas dans cette vidéo là que je réussirai à le passer. Il va falloir que j'améliore un petit peu ma team pour réussir à passer cet event. Puisque comme vous pouvez le voir là actuellement, ce n'est c'est tout simplement presque pas possible. C'est pas impossible, mais il faudrait vraiment chatter de ouf etc. Donc c'est très 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 compliqué. Dites-moi dans les commentaires jusqu'au stage combien vous êtes arrivé vous. Et est-ce que vous arrivez à passer le stage 78 ou non. On se retrouvera pour une vidéo revanche sur ce fameux stage 78. Alors... Pour vous rassurer, tous les stages avant 78 sont bien plus faciles. Il y a vraiment une difficulté augmentée de ouf au stage 78. Et même au 77, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile que le stage 78. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. C'est la vidéo de la défaite. Mais bon, de temps en temps, on montre qu'on ne fait pas que gagner hein, dans le jeu. Et puis la difficulté est ici présente. Et comme ça, ça vous permettra de voir l'évolution. Comment je vais faire une fois que j'aurai fermé Freezer, Elder et Jis. Pour réussir à avancer dans ce ZTUR, celui du kit Gohan. Puissance, portez-vous bien les gars, bye bye.